Salut les petits loups! Dans l'épisode précédent, Awa, la femelle Icaon, m'avait donné un peu de lait et je me suis endormie dans un buisson, à l'abri du soleil. Quand tout à coup... Ah ben quand même! Oh, ça fait 10 minutes que j'essaye de te réveiller. Oh, je faisais un si beau rêve. Tu viens jouer avec moi? Jouer à quoi? Bah je sais pas, à se courir après. Courir? Par cette chaleur? On peut se lancer de la poussière alors. Mais qui t'es-toi d'abord? Moi? Mais c'est Django, l'éléphanto! Je suis un grand, j'ai déjà 5 ans. Et tu vis tout seul ici? Non, je vis dans l'art de ma grand-mère avec mes tantes et mes cousines. Mais c'est la barbe, il n'y a pas de petit mec comme moi pour jouer. Je ne suis pas un petit mec non plus, je suis une chatte. Ah, je me disais bien aussi. T'as pas de trompe. De quoi? De trompe. Ça te sert à quoi? À plein de trucs, c'est génial. C'est ton nez? Pas vraiment. C'est comme si ta lèvre du dessus et ton nez ne faisaient qu'un et se seraient allongés. Ça nous permet de respirer et de sentir, mais aussi de boire et de cueillir des feuilles pour manger, d'attraper des branches, de soulever des pierres et de nous couvrir de poussière et de boue. Pourquoi faire? Pour nous rafraîchir et enlever les petites bébêtes qui s'accrochent à notre peau. Des parasites, ça s'appelle. Ah, d'accord. C'est comme une main, alors. Ouais, c'est ça. Et regarde, au bout, j'ai 2 petits doigts. Ma maman m'a dit que ce sont des appendices. Et grâce à eux, je peux attraper des tout petits trucs, comme une cacahuète. C'est bon, ça. Paraît que les éléphants qui vivent en Asie n'en ont qu'un. Je me demande comment ils font pour prendre un brin d'herbe. Ils doivent sûrement enrouler leur trompe autour d'une touffe d'herbe. Ouais, sûrement. Et puis, tu sais, je peux aussi me tenir à la queue de ma maman avec, pour pas me perdre. Ce que j'adore, c'est quand elle me fait des câlins. Elle enroule sa trompe autour de ma tête et... J'aime bien. Ah bah tiens, la voilà qui m'appelle. Je vais devoir y aller. Elle est où? Là-bas, regarde. C'est quoi qu'elle a de chaque côté de la trompe? C'est ses défenses. Et c'est quoi? Ce sont nos incisives qui poussent et s'allongent pour devenir comme ce que tu vois. Elles sont en ivoire. Les miennes vont bientôt pousser. Waouh, c'est très beau. Il faut vraiment que j'y aille. Allez, salut. Au revoir Django. Longue vie à toi. Alors les petits loups, vous avez aimé? Dans le prochain épisode, je vous raconterai ma rencontre avec un autre animal qui vit souvent caché. Abonnez-vous vite, c'est gratuit. À bientôt les petits loups.